Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu SW Thor, après les vidéos de début d'année sur l'état actuel de SWTOR. Comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas fait de vidéo entre le 31 octobre et le 1er janvier, et du coup je vais me rattraper en parlant des mises à jour précédentes. It's hard for me, trippin' as your do I express, swallow another pill just to see it depress. Donc, premièrement, on a eu des ajouts du cartel le 20 novembre, avec notamment une armure inspirée de la série The Mandalorian, ainsi que ses armes et un nouveau pack de décoration. Le 9 décembre, on a eu la mise à jour 6.2, qui a rajouté l'histoire Les Échos de la Vengeance, que personnellement j'ai fait, qui est vraiment très stylé, et que je vous conseille du coup si vous n'avez pas encore fait. Il y a eu aussi à la mise à jour 6.2 l'ajout de la zone litigieuse L'Esprit de la Vengeance, dont la trame est à propos de Mandaloriens rebelles prenant en embuscade le vaisseau de Shae Vizsla. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore découvert la ZL. Après quasi 10 ans d'existence, les développeurs de SWTOR ont jugé bon qu'il faille récompenser les joueurs qui étaient fidèles au jeu et qui se connectaient tous les jours. Ainsi, à présent, lorsque vous vous connectez en jeu, vous avez une petite notification en haut à gauche de votre écran. Si vous cliquez dessus, un panneau de récompense s'ouvre. Les abonnés ont des récompenses supplémentaires par rapport aux joueurs non abonnés. Si jamais vous ne vous connectez pas pendant un jour, ce n'est pas grave. C'est un peu comme le système de récompenses quotidiennes de Fortnite Sauver le Monde. Vous ne recommencez pas à zéro. Vous reprenez là où vous vous étiez arrêté la dernière fois. Pour finir avec cette mise à jour, il y a eu deux changements. Premièrement, le panneau des mottes a été modifié pour une interface plus moderne, si je puis dire. Et deuxièmement, les répliques des saisons 5 et 7 de PvP classés sont sorties aux vendeurs Girada le Hutt, avec notamment le Nexus Gladiateur qui vaut 200 000 jetons mais qui est très classe. Avec la 6.2, on a eu des nouvelles armures du cartel, l'armure de Chevalier Jedi Revan que je trouve vraiment sympa et que j'ai même pris pour mon Jedi Sentinelle, et l'armure de Maître de Forge qui est plus du style Mandalorien. De nouveaux sabres laser sont sortis, ainsi qu'une monture et un pack de décoration. Actuellement, la mise à jour 6.2.1 est en train d'être testée sur le PTS depuis le 8 janvier. Je vous renvoie à ma vidéo sur le public test serveur si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous souhaitez vous y rendre. Normalement, la mise à jour 6.2.1 marquera la fin de la saison 13 de PvP, même si rien n'est confirmé. Il y aura également une modification des amplificateurs et des soulèvements. Les amplificateurs devraient désormais avoir un niveau de rareté standard, en plus du vert, bleu, violet et jaune que l'on connaît. De plus, voilà ce qui a été annoncé, je cite, « Nous avons ajouté le verrouillage de rareté qui permet aux joueurs d'échanger leurs crédits contre des chances supérieures d'obtenir l'amplificateur de leur choix. » Ce qui, je trouve, est un bon ajout. Après, il faudra voir ce que ça donne en pratique. Au niveau des soulèvements, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils étaient auparavant scale au niveau 70. En gros, on roulait sur tous les mobs quand on était niveau 75 parce qu'il n'y avait pas de mise à niveau. Maintenant, cela va changer. En effet, les soulèvements vont subir un rééquilibrage de difficulté et de temps pour avoir un butin plus conséquent à la fin de ces derniers. Les soulèvements ressembleront donc un peu plus à nos zones litigieuses actuelles, mais peut-être en version 10-15 minutes au lieu de 25 pour une ZL classique. Le 14 janvier, on a eu une news concernant un code gratuit à rentrer sur le site de SW Thor afin de gagner une monture entre le 14 et le 28 janvier. Le code à entrer est le suivant, Squadron, tout en majuscule. C'est un cadeau offert par les devs de Star Wars The Old Republic en l'honneur du lancement de Star Wars Squadron. La monture est inspirée de l'escadron Vanguard de ce jeu. Si vous avez le jeu Star Wars Squadron, vous pouvez vous rendre dans votre hangar afin d'obtenir un médaillon de l'ancienne République en utilisant des points de gloire. Sachez aussi qu'à l'heure où je vous parle, l'event gris est en cours jusqu'au 19 janvier. Il y aura l'événement Rassemblement Ultime des Fonceurs du 26 janvier jusqu'au 2 février. Pour terminer cette vidéo, je mettrai dans la description le lien du Dev Tracker. C'est en gros le fil du développeur, l'endroit où l'équipe de SWTOR communique sur les changements qui vont venir ou qui répondent à certaines questions posées sur le forum de SWTOR. Actuellement, il y a pas mal de messages car l'équipe est active avec l'arrivée de Jackie qui communique pas mal sur le Dev Tracker. Voilà, j'espère que cette petite vidéo actualité vous aura plu, même si en réalité ces actualités date un peu pour la plupart, mais bon, je me rattrape parce que j'ai pas fait de vidéo, en gros j'ai fait une pause en novembre et en décembre, et du coup c'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.